Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Les petits blues qui font du bien arrivent. Les temps du blues, c'est le titre de l'émission. Vous avez l'habitude, nous sommes le 2 février 2019. On va remonter 118 ans en arrière au 2 février 1901. C'est la date de naissance de Walter Vinson. Alors, qui était-il? Il était chanteur, il était guitariste, il était violoniste. Et on le connaît surtout pour sa participation aux Mississippi Shakes dans les années 30 en particulier, même dès la fin des années 20 en réalité. C'est un musicien important parce qu'il a fait partie des premiers à jouer dans des formations, des groupes constitués à une époque où la plupart des bluesmen, surtout ruraux bien entendu, eh bien, ils s'exprimaient dans sol, généralement, un chant guitare, le plus souvent. Et puis, il y a eu les jug bands aussi, c'est vrai, à peu près à la même époque, fin des années 20, début des années 30. Mais lui, c'était plus les Mississippi Shakes, en particulier, c'était plus des string bands, sur la base donc d'instruments à cordes, comme le nom l'indique, mandoline, guitare, violon, banjo. Voilà, donc ça, c'était plus les Mississippi Shakes. Et puis, surtout parce qu'ils ont progressivement, dans ces groupes, donc intégré du blues au répertoire originel des string bands qui remonte au 19e siècle, bien entendu. Alors, Walter Vinson, il vient d'où? Ben, il vient de Bolton, dans le Mississippi. Alors, c'est complètement au sud du Delta, pas très loin de Vicksburg, à peu près entre, à mi-chemin d'ailleurs, entre Vicksburg et Jackson, on va dire, Jackson étant la capitale du Mississippi, vous le savez sans doute. Alors, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va un petit peu tourner dans les années 20, il va rencontrer des bluesmen comme Robin Lacey, peut-être Tommy Johnson, dit-on aussi. Et puis, en 1928, il va rencontrer Lonnie Chapman, et c'est avec Chapman, ce Chapman-là, qu'il va former les Mississippi Shakes. Avec deux autres frères, hein. Il y aura aussi Sam Chapman et puis il y aura aussi Armander Chapman que l'on connaît mieux sous le nom de Beau Carter et enfin Papa Charlie McCoy. Voilà, ça c'est l'ossature. Et puis dès 1930, dès leur première séance, c'est en février 1930, et bien les Mississippi Shakes, ils vont enregistrer un fameux morceau Sitting on Top of the World. Alors ça va devenir une chanson importante dans toute l'histoire de la musique américaine qui sera reprise mais véritablement par tout le monde, hein, pas seulement des bluesmen, rock, country, bluegrass, etc. Donc c'est un super morceau véritablement. Il paraît que Vinson lui disait qu'il l'avait écrit. On peut penser qu'il l'a en fait écrit avec Chapman, avec Lonnie Chapman. Voilà. Donc bon, bah, ça va durer quelques années. Les Mississippi Shakes, ils vont enregistrer pas mal jusqu'en 1935. Après, ils vont se séparer. Chacun va suivre son chemin personnel un petit peu. Walter Vinson va un petit peu enregistrer au début des années 40, 41. Et puis après, bah, il va se retirer du monde musical, il faut bien le dire. Mais il va profiter un petit peu du blues revival des années 60 pour réapparaître comme ça un petit peu. Et puis il va vivre à la Nouvelle-Orléans, à Chicago aussi entre temps. Et puis en 1972, bah, il va reformer des Mississippi Shakes, qui va appeler les New Mississippi Shakes, avec des gens importants à la même époque que lui dans les années 20-1930, Sam Chapman à nouveau, mais aussi Carl Martin, Ted Bogan, et puis il est mort peu après, en 1975, donc à 74 ans, Walter Vinson. Alors justement, j'ai pas eu envie de passer un morceau tiré de ces enregistrements un petit peu historiques des années 30, mais plutôt avec ces New Mississippi Shakes de 1972. D'ailleurs, c'est assez amusant, et on va écouter un morceau donc qui s'appelle Wintertime Blues. Gone in the wind began to blow. I said when the birds stopped singing and the wind began to blow, I was all outdoors. I didn't have my winter clothes. It's so cold up north till it burns. So cold up now till the birds came hardly fly. They'll have to take their home and let this winter pass on by. Thank you.
says my groom. Yes, I'm going back south where the weather soothes my clothes. Because when a time has come and I hadn't got no place to go, don't you worry, don't you worry. Heaven knows it's got to, gonna be cold. Don't you worry about it. Heaven knows it's got to be cold. You're in such a bad shape when you haven't got your winter clothes. Nous venons donc d'écouter le Wintertime Blues des New Mississippi Shakes avec Walter Vinson, dont c'était le 118e anniversaire de la naissance. Aujourd'hui, il était né le 2 février 1901, vous l'aurez compris. Alors, eh bien, on va parler concert puisque nous sommes samedi. Belle occasion d'évoquer un bluesman français parmi les plus populaires de tous, les plus actifs aussi, c'est le chanteur et guitariste Fred Chapelier, qui vient de sortir un disque hein, qui s'appelle Fred Chapelier Plays Peter Green, on va en reparler. Il y a d'abord, une première raison à l'évoquer, alors qu'on est dans une rubrique concert, c'est qu'il va se produire ce soir, 2 février, déjà, à Douzy, dans les Ardennes, pas loin de Sedan, c'est à l'espace Manureva. Voilà, j'y arrive. Et puis, parce que, bon, la discographie de Fred Chapelier, elle commence quand même à être plus que consistante, hein, ça fait une quinzaine d'albums, et puis il y a beaucoup de collaborations prestigieuses, hein, dont on se souvient, Dale Blade récemment, Billy Price, Jacques Dutronc, même si ça sort évidemment un petit peu du cadre du blues, mais c'est important. Et puis c'est aussi Fred Chapelier, quelqu'un de particulièrement prolifique, parce que rien qu'en 2018, il nous a sorti 2 albums quand même. Hein, voilà. Et puis enfin, j'ai envie de dire, c'est aussi quelqu'un qui est très respectueux de ses pairs, hein, de ses pairs guitaristes notamment. Et il aime leur rendre hommage régulièrement. Il l'avait fait avec Roy Buchanan, tout le monde s'en souvient, en 2007. Et puis là, bon, bah, son dernier album, enregistré en plus en public, on reste dans le thème de l'émission, bien entendu, de la rubrique de l'émission, qui est sorti en octobre dernier chez Dixie Frog. Ça s'appelle donc Fred Chapelier Plays Peter Green. Vous l'aurez compris, ça va nous rappeler plein de bons souvenirs du Fleetwood Mac de la fin des années 60 avec un Peter Green magnifique, évidemment. Mais bon, ne nous méprenons pas, c'est quand même du Fred Chapelier. Donc, c'est quand même l'essentiel aussi. Et puis, il a quelques invités très recommandables autour de lui. Je pense à Alain Lidfoot-Rivet et Ahmed Mouissi au chant, ou encore Pascal Michaelian à l'harmonica. Comme il est convenu de dire, c'est que du bon. Alors, on va écouter un extrait de ce fameux album. Je vous rappelle que Fred Chapelier sera ce soir donc à Douzy. On écoute un extrait de Peter Green, hein, évidemment, Fleetwood Mac à l'époque. Ça s'appelle « I Love Another Woman ». Baby's gonna left me crying by myself. My baby's gonna left me crying by myself. I loved another woman. I lost my best gal. She was a real good woman. Another woman, now she's up and she's gone.
I know I treated you wrong. Come back, baby. I know I treated you wrong. I loved another woman, but I won't do that no more. Another Woman. Allez savoir qui c'était. Donc un extrait du dernier album de Fred Chapelier qui s'appelle Plays Peter Green. C'est sorti chez Dixie Frogs, sur le label Dixie Frogs. Fred Chapelier ce soir, donc du côté de pas très loin de Sedan à Douzy, il sera en concert. Décidément, j'ai du mal avec ces noms. Bref, en tout cas, si d'ailleurs vous voulez vous y retrouver vous aussi, parce que j'ai un peu bafouillé, si vous voulez plus d'éléments discographiques, des liens, des choses comme ça, biographiques également, vous savez comment procéder. Mon site internet letempsdublues.com vous donne tout ça. Et puis, eh bien, demain, ce sera dimanche. Un bien beau dimanche en perspective, j'espère, avec du gospel. Allez, salut, bye bye, merci.